Salut mes fantômes des châteaux abandonnés, comment allez-vous? Hein? Allez, j'attends votre réponse. Comment vous allez? J'adore ce genre de phrase au début des vidéos, comme si on attendait une réponse. En plus, c'est pas que j'en ai rien à faire de savoir comment vous allez, mais imaginez que vous commencez à tous me répondre. Vous êtes quand même presque 1000 abonnés sur la chaîne, ça serait un bordel. Petite parenthèse d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on est sur le chemin des 1000 abonnos. Et même si ça se trouve, à l'heure où la vidéo est publiée, on les a déjà atteints. Mais dans tous les cas, faites-moi péter ce compteur que je puisse enfin vous faire ce petit concours que je m'efforce de garder secret. Bon, je dois vous dire un truc, on est à plus de 6 mois sans raid horreur sur la chaîne, un scandale. Et ça, faut que ça change. Et on va commencer tout de suite avec cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 threads d'horreur qui peuvent vous arriver à tous. À toi, et à toi aussi là-bas sur ton canapé en train de te gratter les couilles. Vous allez voir que quand on est face à certains événements choquants dans notre vie de tous les jours, on réfléchit à deux fois avant de recommencer. La survie tient parfois à peu de choses, et surtout de bons réflexes, et ça, Gino l'a bien compris. Gino, c'est un homme sans histoire, la trentaine, un job sympa et le cœur sur la main. Son kiff, c'est d'aider les gens dans le besoin, sans chercher une quelconque récompense. Il aime simplement rendre service, ça rend les gens heureux, et ça lui suffit. Voilà, pourquoi se compliquer la vie? Et en plus d'être la bonté incarnée, le mec est vraiment beau gosse. Il aurait pu avoir la blinde de meuf. Mais il a toujours refusé d'avoir une relation durable avec une femme. Trop de contraintes. Trop de contraintes, une femme? Oh, Gino, voyons. Pour lui, aider les autres est comme une sorte de vocation. Une règle qu'il s'est imposée à lui-même. Forcément, la dernière fois qu'il a été en couple et que ça a commencé à durer, il a été obligé de privilégier sa nana au détriment des autres. Et ça, c'était pas possible pour lui. Ça lui a valu trop de sacrifices. Donc il a mis fin à sa relation et a pu continuer à aider les gens dans le besoin et y consacrer 100% de son temps. Un jour, il fait la connaissance de Felipe, son nouveau voisin de palier. Il ne savait pas que cette rencontre allait radicalement changer son mode de pensée et même sa façon de voir la vie. Felipe venait d'Italie. Il était arrivé depuis peu dans la ville où vivait Gino. C'est ce qui les a rapidement rapprochés. Un soir, Felipe n'avait plus de farine. Comme c'est le genre de petit service qu'on se fait entre voisins, Felipe est donc parti sonner chez son voisin Gino. Cette visite a été l'occasion de parler de leur pays d'origine commun au cours d'une conversation qui s'est finie tard dans la nuit. Après cette bonne soirée, Gino et Felipe ont fini par se voir souvent, très souvent. Ils étaient devenus de grands amis. Pas un soir sans se rendre l'un chez l'autre. Et même si les deux hommes étaient devenus amis, Felipe restait discret sur les relations qu'il avait poussées à partir de l'Italie. Il ne voulait pas parler de son passé, ni de la ville où il était né. Il faisait l'homme mystérieux, quoi, tu vois. Ça ne dérangeait pas Gino plus que ça et il respectait le choix de son ami. Mais un soir, alors qu'il passait une soirée chez Felipe, Gino comprit la raison du silence de son voisin. Ce soir-là, il sirotait une bière sur le canapé, attendant son ami qui était occupé dans la cuisine. Comme toute personne qui se fait chier, il a commencé à regarder tout autour de lui. Puis à un moment donné, il est tombé sur les livres de la bibliothèque de Felipe. Il regardait mais sans vraiment voir quand tout à coup, il aperçut un papier qui dépassait d'un des livres de la bibliothèque. Ce papier l'intriguait. Alors poussé par une curiosité qui lui avait déjà joué des tours, il s'est levé afin de voir de plus près ce papier. Felipe était un maniaque de l'ordre et Gino était surpris que ce petit manquement lui ait échappé. Donc, il prit le livre, l'a ouvert d'un air jovial déjà prêt à tailler son ami sur ce raté dans son organisation, mais son envie de tailler son pote lui est vite passée en découvrant le papier. Dessus, il y avait des photos de femmes, avec leurs prénoms marqués en dessous, et elles étaient toutes barrées d'une croix au feutre rouge. La feuille était pleine. Et en face de chaque photo, il y avait une date et un lieu. Ça ressemblait beaucoup à une sorte d'agenda de tueur à gages, ou un truc du genre. Mais Gino n'eut pas eu le temps de se poser plus de questions car Felipe sortait de la cuisine. Absorbé par sa trouvaille, il ne l'avait pas entendu arriver. Le regard de Felipe avait changé. Il l'avait grillé le nez dans sa feuille de route, comme il l'appelait. Felipe a posé tranquillement le plat qu'il tenait dans les mains et lui a dit en s'approchant doucement que c'était dommage qu'il ait vu ça. Car maintenant, il allait être obligé de le rajouter sur sa liste, s'il voulait vivre tranquille dans ce pays. Gino lui jeta le livre en pleine figure et profita de l'effet de surprise pour courir vers la porte d'entrée après avoir violemment repoussé Felipe. Mais Felipe s'est remis très vite debout et s'est jeté sur le dos de Gino qui s'est effondré sous le poids de l'homme. Les deux hommes se sont battus et Felipe a sorti un couteau de sa poche de pantalon en essayant d'atteindre Gino. L'affrontement dura plusieurs minutes, car il était costaud sous ses airs de gringalet le Felipe. Et finalement, Gino est parvenu à retourner l'arme de Felipe contre lui, le blessant à la main et avec la douleur, il tomba au sol. Gino en a profité pour se barrer et en ouvrant la porte, il s'est mis à crier demandant à quelqu'un d'appeler la police. Quand la police est arrivée sur les lieux, ils ont immédiatement interpellé Felipe.
Gino apprendra plus tard que son agresseur était un serial killer recherché en Italie, dans la région de Parme. Il avait tué plusieurs femmes après leur avoir donné rendez-vous dans des lieux divers par le biais d'un site de rencontre. Après ça, Gino ne fut plus jamais le même. Cette expérience l'a rendu méfiant envers tout et tout le monde. Désormais, il passait ses journées cloîtrées chez lui. Et même s'il avait suivi une thérapie pour l'aider à sortir de son soudain mutisme, il ne peut s'empêcher de douter envers ceux et celles qui l'approchent désormais. Il a perdu son envie d'aider les autres et vit dans une peur constante de se retrouver face à un autre tueur tel que Felipe. Quand tu fais une mauvaise rencontre comme Gino, c'est normal d'être marqué à vie. La personne qui continue sa vie comme si de rien n'était, je pense que ça ne court pas les rues. Tu repenses longtemps à ce moment et forcément, on devient parano. J'avoue que je ne connais pas mes voisins plus que ça, moi. Si ça se trouve, il y a un Felipe parmi eux. Bon, je ne veux pas savoir. Passons à la suivante. C'est l'histoire de Martha et Karen. Elles étaient mariées depuis 3 mois, mais elles n'avaient pas encore eu l'occasion de partir en voyage de noces par manque de temps dû à leur travail respectif, mais aussi d'argent. Finalement, elles ont pu trouver le moment idéal. Elles se sont dit qu'elles ne voulaient pas faire comme tous les couples classiques, en choisissant des destinations de rêve pour des moments inoubliables à deux, en amoureux. Non, les deux nouvelles épouses voulaient autre chose, un voyage qui marquerait bien plus durablement leur union qu'elles avaient désiré durant tant d'années, et ce, dès leur premier mois de vie ensemble sous le même toit. Elles étaient toutes les deux passionnées par la nature et elles voulaient un dépaysement total de leur vie quotidienne. Mais elles n'avaient toujours pas assez économisé pour faire un voyage en avion ou en train. Donc elles s'étaient dit que l'état voisin où elles habitaient était réputé pour ses forêts à couper le souffle et pour la vue. Et ça serait parfait pour célébrer leur nouvelle vie. Alors elles se sont retrouvées en pleine nature à arpenter le sentier du Hike Knob Trail au cœur de la George Washington National Forest avec pour objectif suivant la Seneca Rock State Forest. Les Américains, dites-moi, pourquoi vous trouvez toujours des noms compliqués pour mes narrations? À la fin du premier jour, elles arrivèrent au début de leur deuxième étape et elles étaient exténuées. Mais point randonneur qui veut. Donc, elles se sont décidées à monter leur tente à l'écart du sentier en plein centre de cet environnement naturel. Une fois installées, elles ont fait un petit feu de camp et mangé un repas rapide. Elles se sont vite endormies, épuisées par leur marche de la journée. Quelques heures plus tard, Martha crut entendre des bruits de pas autour de leur tente. Elle prit peur et réveilla Karen. Elle la rassura en lui disant que ce n'était probablement qu'un animal curieux attiré par leur présence. Elle la réconforta aussi en lui disant qu'aucun prédateur dangereux pour l'homme ne se trouvait dans cette partie de la forêt. Elle lui expliqua qu'ils vivaient plus en amont donc qu'il n'y avait aucun danger. Et puis de toute façon, elles avaient de quoi les faire fuir en lui rappelant qu'elles avaient des pistolets dans leur sac. Ah, les States! Martha s'excusa d'avoir paniqué pour rien et se recoucha. Des bruits de branches brisées se rapprochaient de la tente et le sol se mit à trembler sous des pas pesants. Les deux femmes entendirent des grognements qui ne faisaient aucun doute sur la nature de ce qui se trouvait dehors. Il y avait une bête, et au vu des grognements, ce n'était pas un petit écureuil. Stupéfaites, elles n'ont pas eu le temps de se demander comment réagir. Leur tente se faisait secouer dans tous les sens avant d'être éventrée par des griffes énormes, laissant passer la gueule d'un animal qui ne devrait pas se trouver dans cette forêt. Et quel animal ? C'était un fucking grizzly, les gars. T'es sûr, peut-être un renard Non, un grizzly, je vous dis. Elle campait dans une forêt de Virginie occidentale et cette race d'ours ne vivait pas dans cet état. Il n'y en avait que dans le Wyoming, au Montana, sur le territoire américain. Elles tentèrent donc de fuir en se glissant sous la toile à l'opposé de la créature. Les deux femmes pouvaient voir la dentition acérée de l'animal par sa gueule grande ouverte. Karen et Martha eurent tout juste le temps d'échapper au grizzly qui continuait de ravager leur tente sans s'intéresser aux deux femmes. Elles ont profité du manque d'intérêt du grizzly envers elles pour s'enfuir. Estimant qu'elles s'étaient suffisamment éloignées, elles constatèrent que l'énorme bête avait été attirée par le stock de nourriture dans leur sac. Elles virent la masse de poils de dents et de griffes descendre goulûment l'intégralité de leur provision pendant un temps qui leur parut une éternité. Lors de leur fuite, Karen s'était blessée à la jambe et avait du mal à se déplacer, ce qui les obligea à rester en poste d'observation. Si le grizzly les entendait se déplacer, ça aurait pu détourner son attention sur elles et il aurait pu les prendre pour une source de nourriture. Alors malgré le froid et malgré la terreur inspirée par la bête, Karen et Martha restèrent silencieuses afin de ne pas attirer le grizzly vers elles. Après plusieurs heures, le grizzly finit par partir. Une fois sûr qu'il était loin de leur campement, Martha se précipita vers la tente. Elle rassembla leurs vêtements et ce qu'elle pouvait du matériel ayant résisté à l'attaque de l'animal. Une fois en tenue décente, elles purent se rendre vers le sentier et trouver un endroit où le réseau de leur téléphone leur permettait d'appeler les secours. Oui, parce que forcément, c'est toujours là où t'en as besoin que t'as pas de réseau. Par la suite, elles apprirent lors de leur déposition que le fameux grizzly s'était sauvé d'un cirque itinérant russe qui était en tournée dans la région.
Le grizzly s'était échappé à la suite d'une erreur d'un des membres de la troupe qui avait mal refermé la cage de l'animal. Celui-ci était toujours activement recherché. Le secteur était désormais interdit à toute excursion tant que la bête ne serait pas capturée et remise aux gens du cirque. D'ailleurs, ces derniers devraient répondre de leur négligence auprès des autorités de la région. Normal, un minimum quand même. C'est pas un chihuahua le truc. Martha et Karen n'ont jamais oublié cette nuit-là, qui aurait pu se terminer de façon tragique. Elles ont pensé qu'elle serait la dernière de leur vie à la vue de cet animal détruisant leur tente, leur sac et une bonne partie de leur matériel. Mais d'un autre côté, elles étaient bien contentes d'avoir emporté la nourriture qui a pu leur sauver la vie, on peut dire. Parce que s'il n'y avait pas eu cette nourriture, qui sait ce qu'aurait choisi l'animal? En tout cas, elles se sont jurées que plus jamais de leur vie, elles ne feraient du camping sauvage au cœur d'une forêt. C'est comme la première histoire. Un truc comme ça, tu réfléchis à deux fois avant de recommencer. D'ailleurs, ces choses marquantes, ça peut aussi vous arriver au taf. Et c'est ce qu'a malheureusement vécu Chrissy. Chrissy est agent immobilière. Elle est très cartésienne et pour elle, tout a une explication logique et rationnelle. Mais elle va apprendre à ses dépens que certains événements échappent à toute logique. Un jour, Chrissy devait faire des rapports détaillés sur les biens immobiliers. Il fallait qu'elle donne son avis sur les travaux éventuels à effectuer, la valeur du bien selon s'il est situé près d'une école par exemple, et bien sûr, la ville aussi est déterminante. Donc forcément, si la maison est perdue dans la pampa, elle vaudra moins que si elle est située au centre-ville proche de toute commodité comme ils disent. Je vous rassure, on n'est pas parti dans recherche appartement ou maison, vous inquiétez pas. Donc, Chrissy devait se rendre dans une vieille bâtisse datant de l'ère coloniale pour l'expertiser. Autrefois, cette maison était au cœur d'une plantation de coton, depuis disparue. Au fil du temps, les terrains alentour ont tous été rachetés par des sociétés immobilières qui ont fait pousser des maisons comme des champignons. Il ne restait que cette maison de maître, vestige d'une époque révolue, qui se dressait fièrement à l'écart d'un petit quartier lui-même éloigné du cœur de la ville. Une sorte de no man's land à elle toute seule. Personne n'osait vraiment s'en approcher depuis bien longtemps. Du vivant de son dernier propriétaire, cette maison avait déjà une réputation sinistre. Plusieurs morts avaient eu lieu dans ses murs, sans que de véritables explications puissent être données. Des accidents invraisemblables, comme la chute d'une échelle pourtant solidement ancrée au sol, mais qui vient s'écraser sur le crâne du propriétaire, le tuant sur le coup. En plus de cet accident, au cours du dernier siècle, il y a eu un pendu et trois morts par intoxication au monoxyde de carbone, alors que le ramonage de la cheminée était fait deux fois par an. Bref, cette maison était considérée comme un lieu de mort pour celui qui commettait l'erreur d'y habiter. Si les raisons officielles médicales et techniques mettaient en cause l'âge des installations, beaucoup de personnes pensaient surtout que cela était dû à l'esprit du premier propriétaire de la maison, Mr. Wood. À l'époque, Wood dirigeait la plantation de coton, et il n'était vraiment pas cool avec ses employés. Il était cruel même. Il maltraitait son personnel quotidiennement. Enfin, son personnel, ça c'était la version officielle. En réalité, c'était plutôt des esclaves. Il prenait un malin plaisir à les battre, un vrai sadique le mec. C'était lui le boss, donc personne n'osait s'interposer, sinon ils perdaient leur emploi. Mais un jour, les employés, lassés de la maltraitance qu'ils subissaient, se sont révoltés. Ils ont chopé Wood et l'ont tué. Voilà, fin. Pas fin de l'histoire, hein, mais de Mr. Wood. On dit que depuis, son fantôme fait vivre un vrai calvaire aux nouveaux occupants. Il les pousse au suicide ou provoque des accidents mortels en donnant l'impression qu'il s'agit d'accidents. Comme je l'ai dit au début, Chrissy ne croyait absolument pas au surnaturel. Pourtant, dès l'instant où elle est entrée dans la maison, elle a ressenti un puissant malaise. Elle a été prise de maux de tête assez violents. Et en plus de ça, elle avait l'impression d'entendre des chuchotements. Elle était incapable d'en déterminer la provenance. Plusieurs reprises, elle a senti un souffle d'air glacé se frotter contre sa peau comme un courant d'air. Mais un courant d'air où tu sais que c'est pas un courant d'air normal. Donc, même si c'était très troublant, Chrissy ne s'est pas laissée déconcentrer et a continué son expertise. Avec tout son professionnalisme, elle se concentrait sur son analyse des lieux, inspectant chaque recoin minutieusement pour rédiger le rapport le plus précis possible à fournir à ses employeurs et surtout, pour ne pas être obligé de revenir. Mais l'entité qui se trouvait dans les lieux devenait de plus en plus oppressante, au fur et à mesure qu'elle visitait les différentes pièces de la vieille bâtisse. Elle avait hâte de finir l'expertise pour sortir au plus vite de cette baraque de malheur. Car même si elle ne croyait pas aux fantômes, là, il fallait bien se rendre à l'évidence qu'il y avait un truc choulaille dans cette maison. Elle n'était plus sereine depuis qu'elle avait franchi le pas de la porte. Et la panique et l'angoisse commençaient à l'envahir doucement. Elle avait qu'une idée en tête, c'est de se barrer le plus vite possible. Bientôt, d'autres phénomènes arrivèrent plus puissants et encore plus flippants. Les lumières du lustre se mirent à clignoter alors que l'électricité avait été coupée depuis des années. Des portes s'ouvraient ou se fermaient violemment, la faisant sursauter à chaque fois.
Mais là, tu te casses en fait. Tu cours tout droit jusqu'à la sortie et la première chose qui bouge devant toi, paf, pas dans la gueule. Mais non, Chrissy, elle a mis ça sur son angoisse de se trouver ici car elle connaissait le passé sinistre de la maison. Voilà. Donc elle se dit que sachant ça, son imagination lui faisait faire passer des événements explicables pour des phénomènes surnaturels. Mais son côté sceptique avait ses limites. Elle changea radicalement quand elle crut voir un visage se dessiner sur le miroir d'une des chambres. Le visage lui sourit et un rire glaçant résonna dans toute la maison. Là, elle ne rêvait pas. Fini son imagination. Cette fois, Chrissy poussa un cri et s'enfuit à toute allure de la pièce. Elle dévala les escaliers et sortit de la maison aussi vite qu'elle le put. Une fois dehors, son cœur battait la chamade comme jamais. Oui, j'ai dit la chamade. Je suis vieux, je sais, je sais. Elle reprit son souffle et tenta de se remémorer ce qu'elle avait vu. Elle essayait de se persuader qu'elle avait juste halluciné à cause de l'ambiance macabre de cette maison et que rien n'était réel. Malgré tout, le bon sens lui indiquait qu'il serait plus sage de ne pas assister. Elle se sentait vraiment mal au plus profond de ses tripes. Chrissy se mit à vomir et son corps fut pris de violents tremblements. Elle finit par se ressaisir et repartit au volant de sa voiture. Elle ne voulait plus entendre parler de cette maison, ni de ce qui s'y trouvait, quelle que soit la nature de ce qu'elle pensait avoir vu. Le lendemain, elle indiquait à ses patrons qu'elle préférait que quelqu'un d'autre fasse l'expertise de la demeure, car elle ne se sentait pas bien, et a demandé un congé pour quelques jours. Et au vu de ses compétences et de son ancienneté dans la société, ses patrons lui accordèrent sans poser plus de questions. Par la suite, Chrissy apportait une grande importance à se renseigner sur le passé des maisons à expertiser et faisait en sorte de ne pas avoir à travailler sur certaines d'entre elles. Bien qu'elle pensait qu'elle avait été sujette à des hallucinations, elle ne voulait pas risquer de revivre ce genre d'expérience. L'image vue dans ce miroir reste gravée à jamais dans sa mémoire. Et c'est la fin de cette histoire. Quand ce genre de choses arrive, car oui ça arrive, c'est tellement étrange que les personnes qui ont vécu des événements paranormaux ont du mal à dire si c'était réel ou pas. Si à ça vient s'ajouter le fait que des événements tragiques ont eu lieu à cet endroit, ça ne fait qu'accentuer le malaise. Donc forcément, à leur place, tu y vas avec des a priori, voire le trouillomètre à zéro. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que ces threads d'horreur vous ont plu car ils sont purement fictifs. Ou fictives. Sont purement fictifs, je pense. Après, selon votre notion de français. Hein. Et oui, ces trois histoires m'ont été écrites par Fab de la chaîne Histoire de l'Autre Monde que je ne vous présente plus sur ma chaîne car elle commence à faire partie des meubles. Mais allez quand même checker sa chaîne si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner pour lui donner du soutien. Quant à nous, on se retrouve très très vite, dit très très vite, hein. Donc dans 2 semaines. Hein. Je reprends mon rythme habituel. Vous m'avez pas vu pendant 1 mois, je sais, c'est pas bien. Mais j'avais besoin d'une pause pour des raisons personnelles. Mais me revoilà. Frais comme un gardon. Cette expression, on l'utilise plus depuis 30 ans. Va falloir que je fasse une mise à jour, putain. N'oubliez pas, derrière chaque légende se cache toujours une part de vérité. C'était Nanfer sur Paragost. Allez, tchao!